L'atmosphère était belle le 18 janvier 2024 au restaurant de L'Hôtel Kimpton pour une soirée pas comme les autres. Pour cet événement organisé par Sandra Sisley, les stars ont répondu présents, à l'image de François-Xavier Demaison et Joséphine Dray. La suite après la publicité, une soirée qui est allée comme sur des roulettes. Connue pour son savoir-faire en matière d'organisation de soirée, Sandra Sisley a encore frappé le jeudi 18 janvier. Si la femme de Tomé Sisley assurait l'ambiance lors du Festival de Cannes tous les ans, elle sait également très bien y faire lorsqu'elle se trouve à Paris. Depuis novembre dernier, la jolie brune organise les soirées patins au Montecito, le restaurant de L'Hôtel Kimpton, situé dans le 2e arrondissement de la capitale. Si les dernières éditions ont à chaque fois ramené du beau monde, à l'image de Laetitia Hallyday, rayonnante en cuir aux côtés de ses amis Sandra et Tomé Sisley, ce fut encore le cas jeudi dernier. L'acteur et humoriste François-Xavier Demaison était de la partie et on l'a vu très complice avec la belle Joséphine Dray, connue pour sa participation à la série Plan Cœur. Toutes les photos sont à retrouver dans le diaporama. Les deux comédiens n'étaient évidemment pas les seuls visages connus à avoir fait le déplacement pour faire la fête en patin au rythme des musiques des années 80 et 90. L'actrice Lilou Fogli, qui n'est autre que la femme de Clovis Cornillac, s'y est rendue, tout comme Ariane Seguillon, qui s'est visiblement beaucoup amusée. Hamza et M. Simone de la partie La Jeune Génération étaient également de la partie, à commencer par l'un des rappeurs les plus en vue de sa génération. Originaire de Bruxelles en Belgique et présent au défilé Louis Vuitton cette semaine, Hamza a honoré Sandra Sisley de sa présence, tout comme l'artiste qui monte, M. Simone, venu avec des amis. L'actrice et danseuse Claire Tran se trouvait également au Montecito ce jeudi, tout comme la célèbre femme d'affaires Réjeanne Lacoste. Une belle soirée donc, sous le signe de la fête et des patins à roulettes. Lors de la dernière soirée organisée le 11 janvier dernier, Tomé Sisley avait assuré le show. L'acteur, fou amoureux de sa femme Sandra, est tombé en patin dans les bras d'Adil Rami. Une séquence immortalisée par les photographes et qui montre bien l'ambiance festival qui règne à L'Hôtel Kimpton. La suite après la publicité.